Alléluia, bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé, les hommes ne vont pas en enfer à cause du péché. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes ne vont pas en enfer parce qu'ils sont péchés. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas parce qu'on pêche qu'on va en enfer. C'est pas parce qu'on pêche que Satan vient détruire nos vies. C'est pas parce qu'on pêche qu'on ne voit plus les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. C'est pas parce qu'on pêche. C'est pas à cause du péché. Notre problème n'est pas le péché. Le problème de l'homme n'est pas le péché. Le problème de l'homme n'est pas le péché. Le problème de l'homme, la raison pour laquelle l'homme va en enfer, la raison pour laquelle Satan est plus fort que l'homme, la raison pour laquelle l'homme ou l'enfant de Dieu ne voit pas les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie, c'est à cause de sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Ça c'est vrai. La relation avec Dieu. Le problème n'est pas le péché. Le problème est la relation avec Dieu. Amen. Le péché, ça détruit la relation avec Dieu. Mais c'est le manque de la relation avec Dieu qui nous fait souffrir. Nous avons été sauvés au travers de la relation que Dieu a établie avec nous. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu réconcilier le monde à Dieu. Je suis venu réconcilier le monde avec Dieu. Je suis venu réconcilier la créature avec le Créateur. Le salut est une relation. Amen. Amen. La délivrance est une relation. Amen. 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 La Amen. Guérison est une relation. Amen. Amen. Dieu dit son problème premier, c'est notre relation avec lui. C'est notre relation avec lui. Parce que bien aimé, il y a des gens qui ne pêchent pas, qui vivent tellement dans l'intégrité. Mais Satan arrive toujours à le faire esclave. C'est pour vous dire que le péché n'est pas le problème. Mais le problème, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Quelle est la qualité de la relation que j'ai avec Dieu? Comment j'entretiens cette relation? La Bible nous parle du jeune riche. Le jeune riche a demandé à Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus a dit au jeune riche, ne commets plus l'adultère, ne vole plus, ne manque plus, respecte tes parents. Donc Jésus lui a dit indirectement, ne pêche plus et tu seras sauvé. Et le jeune homme a dit à Jésus, depuis mon enfance, j'ai respecté ses commandements. Depuis mon enfance, j'ai respecté ses commandements. Que dois-je faire encore? Qu'est-ce qui me manque pour que je sois parfait? Et Jésus a dit au jeune homme, vends tout ce que tu as
donne-les aux pauvres. Et viens et suis-moi. Et la Bible dit, le cœur du jeune homme, du jeune riche, a été attristé parce qu'il avait tellement de bien. Son cœur est attaché. Le problème du jeune riche n'était pas le péché. Il ne péchait pas, mais il n'avait pas de relation avec Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vends tout, viens et suis-moi. Tu peux vivre sans péché, en même temps sans avoir une relation avec Jésus. C'est vrai. Ce que je te dis est très profond, c'est bizarre. Parce que certains d'entre vous vont dire, pasteur, je ne vis plus dans la fornication. Je ne mens plus, je ne vole plus. Pasteur, je vis dans l'intégrité. Mais pourquoi ce problème persiste? C'est pas une affaire. La délivrance n'est pas une affaire que je vis droit et je suis délivré. Non. La guérison n'est pas une affaire que je vis droit et je suis guéri. Non. Quelle est ta relation? Je ne serai pas sauvé parce que je ne pêche pas. Non. Il y a des intègres qui iront en enfer parce qu'ils n'ont pas eu une relation avec Jésus ou parce qu'ils n'ont pas eu une bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, Jésus t'interpelle ce soir. Que c'est bien, tu fais des efforts pour ne pas pécher. Mais ne pas pécher ou vivre dans la sainteté, dans la sanctification, ça ne veut pas dire que j'ai une relation avec Dieu. Je peux prendre un bon exemple. Je peux habiter dans une maison avec peut-être mon père. Et moi, je suis le fils. Et mon père a des lois. Il a des règles à suivre dans la maison. Il dit que toute personne qui doit habiter dans cette maison ne doit pas sortir, ne doit pas être dehors après 18 heures. Toute personne qui habite dans cette maison ne doit pas fumer, ne doit pas boire l'alcool. Voilà les lois de mon père dans la maison où j'habite. Et moi, je suis là, j'habite dans cette maison. Maintenant, je vis avec mon père, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Avant 18 heures, tous les jours, je suis à la maison. Je fais ça tous les jours, pendant même 50 ans, pendant même 70 ans. Bien-aimé, est-ce que ça veut dire que j'ai une relation avec mon père? Non. Voilà. Non. Voilà. Je respecte ce que mon père a dit, mais ça ne veut pas dire que j'ai une relation avec lui. Je respecte sa loi parce que je veux être dans sa maison. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une relation avec lui. C'est ça. Et Dieu dit ce soir, mes enfants, je n'ai pas de relation avec mes enfants. Mes enfants ont plus une relation avec mes commandements, mais ils n'ont pas une relation avec moi. Mes enfants ont une relation avec mes ordonnances, mais ils n'ont pas une relation avec moi. Mais mes enfants ont une relation avec mes instructions, mais ils n'ont pas une relation avec moi. Mes enfants ne vivent pas dans le péché parce qu'ils ne veulent pas que Satan les détruise et non pas parce qu'ils ont une relation avec moi. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous fuyons le péché. C'est pas parce qu'on a une relation avec Dieu. C'est parce que Dieu nous a déjà prévenu que si on commet ce péché, ça va ouvrir une porte à Satan pour venir nous frapper. On obéit à Dieu, mais pas parce qu'on a une relation avec lui. Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'on est dans la crainte. On est dans la crainte que quelque chose de mauvais va nous arriver. On se protège. Mais ce n'est pas parce qu'on aime Dieu. C'est parce qu'on se protège.
on se protège. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois pécher. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois être désobéissant. Mais Dieu dit que il n'a pas de relation avec toi. Et que c'est la relation avec toi. C'est ça qui va te délivrer. C'est ça qui va me donner ta délivrance. C'est ça qui va me donner ton salut. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Vous savez, beaucoup d'entre nous faisons les prières de combat parce qu'on est attaqué. Alléluia. Amen. Voilà. Nous faisons les prières de combat parce que nous sommes attaqués. C'est pour ça. Je me lève à minuit pour prier jusqu'au matin. Ce n'est pas parce que j'ai une relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que je veux passer du temps avec Dieu. C'est parce que j'ai des besoins. C'est parce que j'ai des besoins. Et Dieu dit que c'est le manque de la relation avec lui qui gâte tout. Qui nous empêche de recevoir. Il dit que ne soyons pas des légalistes. Le légalisme, il s'oppose à respecter la loi. Ils sont bornés à respecter la loi. Le légalisme, mais ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation avec celui qui donne la loi. Ou celui qui a donné la loi. Comme je vous ai pris le temps de ce père qui vit avec son fils dans la maison. Le fils obéit à toutes les instructions. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il n'obéit pas à ses instructions, le père va le mettre hors de la maison. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas eu de relation avec nos parents. Amen. Beaucoup d'entre nous, si on regarde au fond, nous allons voir que nous n'avons pas eu des relations avec nos parents. Nous n'avons pas eu. J'obéissais à papa pour que papa ne me fouette pas. Mais papa, je n'obéissais pas à papa parce que j'aimais papa. Oui. Je cessais de voler à la maison parce que si je vole, maman va me punir. Mais je ne cessais pas de voler parce que je savais que ça ne plaît pas à maman et papa quand je vole. Et je décide de ne pas voler pour ne pas briser le cœur de papa et maman. Non, 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 non. C'est parce que je savais que si je vole, papa et maman vont me sanctionner. Ils vont me punir. C'est pour ça que je cessais de voler. Ce qui fait que je n'ai jamais eu une relation avec papa et maman. Mais j'ai une relation avec les ordres que papa et maman donnaient. Mais je n'ai pas eu une relation avec papa et maman. Et c'est là que tu comprends, bien-aimé, que au-delà des efforts que tu fais pour ne plus pécher, tu dois aller à une autre dimension où tu as une relation maintenant avec Dieu. C'est déjà bien de faire des efforts
respecter les commandements de Dieu. Mais vous, c'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Ils ont dit à Jésus, Jésus, toi tu es un faux prophète. Nous, nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jésus les a dit, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, Abraham croyait en Dieu. Et le Dieu en qui Abraham croyait, c'est le Dieu qui m'a envoyé. Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous devez connaître que moi, j'ai été envoyé par le Dieu que Abraham croyait. Dieu, dont Jésus est en train de dire aux pharisiens, aux sadduciens, aux religieux, que vous avez une relation avec Abraham, mais vous n'avez pas une relation avec le Dieu d'Abraham. Il craignait seulement Abraham. Il craignait Abraham, mais il ne connaissait pas. Il connaissait Abraham, mais il ne connaissait pas Dieu. Le Dieu d'Abraham, ouais. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que tu me connaisses, mais je veux que tu connaisses mon Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas que tu aies une relation avec moi, mais je veux que tu aies une relation avec le Alléluia. Dieu là. Amen. Amen. Moi, que tu aies une relation avec moi. Alléluia. Tu auras la récompense de Bruno. Si tu as une relation avec Abraham, tu auras la récompense de Abraham. Mais si tu as une relation avec Dieu, le Dieu d'Abraham, tu auras la récompense du Dieu d'Abraham. Amen. 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 Dieu dit, c'est ça le problème. Il dit, même mes serviteurs n'ont pas de relation avec moi. S'ils viennent prier, c'est parce qu'ils veulent l'onction, c'est parce qu'ils veulent la puissance, c'est parce qu'ils veulent des révélations, c'est parce qu'ils veulent quelque chose, ou bien ils veulent qu'un quelque chose soit débloqué dans leur appel, dans leur ministère. Mais ce n'est pas parce qu'on a une relation. Ils viennent parce qu'ils veulent quelque chose. Et Dieu dit, c'est la différence entre David et les autres hommes. Dieu dit, c'est pour ça qu'il n'a pas appelé Abraham l'homme qui a le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas appelé Moïse l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David a dit à Dieu, Alléluia. Que Seigneur, prends tout, mais laisse-moi ta présence. Prends tout, mais laisse-moi la relation que j'ai avec toi. Prends tout, mais ne me l'arrache pas. Je ne veux pas perdre cela. Bien aimé, David a péché. Mais moi j'ai l'assurance que David est au paradis. Amen. Parce que je sais la relation qu'il avait avec Dieu. Mais regardez le roi Saül. Le roi Saül a moins péché que David. Lisez la Bible. Le roi Saül a moins péché que David. Lisez la Bible. Il a moins péché que David. Donc si le péché était un problème, était le problème réel, c'est que c'est le roi Saül qui devait être sauvé et c'est le roi David qui devait mal finir. C'est pour ça qu'on ne juge pas quelqu'un par son péché du passé. Parce qu'on ne connaît pas la relation qu'il a avec Dieu. Dieu t'appelle à une autre dimension du christianisme. Amen. C'est vrai. Ce soir, Dieu t'appelle à une autre dimension du christianisme. Il t'appelle à cette dimension
où tu ne seras plus un serviteur ou une servante de Dieu. Il t'appelle à cette dimension où tu ne seras plus un disciple de Dieu. Il t'appelle à cette dimension où tu ne seras plus un enfant de Dieu. Il t'appelle à cette dimension où tu seras un ami. Adorateur. Un ami. Alma-mi Dieu. Alma-mi Jésus-Christ. Amen. Dieu t'appelle à une autre dimension de l'amour. Il t'appelle à cette dimension où ta relation avec Dieu ne sera plus basée sur la crainte, mais sur l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour véritable bannit la crainte. L'amour véritable bannit la crainte. Tant qu'il y a la crainte, tu n'as pas de relation avec Dieu. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, pour que nous voyons à quelle dimension du christianisme Dieu nous appelle ce soir. Ouvrons nos livres dans le livre, le premier épître de Jean, chapitre 4. Premier épître de Jean, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. 1 Jean 4, quelqu'un pour lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. 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 Voici la nouvelle dimension de relation avec Dieu à laquelle vous êtes interpellé ce soir. On a beaucoup prêché sur la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Ce sont les bébés spirituels qui craignent Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est pour les bébés spirituels. Ils craignent Dieu pour que quelque chose ne les arrive pas au nom de Dieu. La Bible dit que, dans le verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. C'est ce que Dieu nous disait tout à l'heure. Certains d'entre nous ne commettent pas certains péchés parce qu'ils savent qu'il y a un châtiment attaché à ce genre de péché qui vont me faire tellement souffrir. Et décider de ne pas faire ce péché, non pas à cause de Dieu ou à cause de la relation qu'ils ont avec Dieu, non pas à cause de l'amour qu'ils ont avec Dieu, mais ils ne font pas crainte, pas à cause de la crainte qu'ils ont avec Dieu. Et tant que tu as encore la dimension où tu crains Dieu, tu n'aimes pas encore Dieu. Ton amour pour Dieu n'est pas encore parfait. Ton amour pour Dieu n'est pas encore parfait. Aux bébés spirituels, on les dit craignez Dieu. Mais aux personnes matures, les personnes qui sont matures spirituellement, on les dit aimer Dieu. Aimer Dieu dans la perfection. Quand tu aimes Dieu dans la perfection, tu refuses de tromper ta femme pas parce que tu aimes ta femme. Tu refuses de tromper ton mari pas parce que tu aimes ton mari.
Tu refuses de tromper ta femme ou ton mari parce que tu sais que ça va faire mal à Dieu au cœur si tu le fais. Tu ne le fais pas parce que tu as peur des conséquences. Tu ne le fais pas parce que tu as peur du châtiment qui va suivre. Tu ne le fais pas parce que ça va ouvrir la porte à Satan pour venir te frapper, pour te tuer. Non, tu le fais parce que tu as une relation avec ton amitié. Et tu ne veux pas blesser ton amitié. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension de l'amour parfait. Ça bannit la crainte. Je ne suis plus là en train de craindre Dieu comme si... Non. Dieu n'est pas là pour nous tuer. Dieu est là pour nous aimer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de relation avec lui. Tu ne peux pas tuer quelqu'un avec qui tu as une bonne relation. Alléluia. Même. Je prends un bon exemple. Quand tu vois un serpent, n'est-ce pas, le premier réflexe que tu as, c'est de prendre quelque chose à côté de toi pour tuer le serpent. Vrai ou faux? Pourquoi? Même. Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que tu n'as pas une bonne relation avec le serpent. Lorsque tu vois maintenant, si tu vois maintenant peut-être une poule ou un coq, tu ne vas pas chercher la matière pour le tuer. Non. Si tu vois peut-être un oiseau, un perroquet, tu ne vas pas chercher la matière pour le découper. Mais dès que tu vois le serpent, tu ne réfléchis pas. Tout ce que tu trouves à côté de toi, tu prends cela. Pourquoi? Tu n'as pas de relation avec le serpent. En tout cas, Dieu tue les hommes. Il n'a pas une bonne réputation. Dieu tue les hommes parce que les hommes n'ont pas de relation avec le serpent. Dieu tue les hommes parce que les hommes n'ont pas de relation avec lui. Alléluia. Amen. Tous les hommes que Dieu a tués jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont péché. Parce que si c'était à cause de leur péché, David, elle ne devait pas être sauvée. Mais tous les hommes que Dieu a tués aujourd'hui, c'était parce que les hommes n'avaient plus de relation avec Dieu. Vous savez, Saül a péché moins que David. Saül a péché moins que David. Il a fait moins de dégâts que David. Mais au lieu de rester dans la relation avec Dieu, il a commencé à consulter les voyants, à consulter les agents sataniques, à établir une relation avec le monde des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il a été jugé jusqu'à la mort. David a été jugé. Il a péché, Dieu l'a jugé. Mais parce qu'il est resté dans la présence de Dieu, entretenir sa relation avec Dieu. Son nom est grand jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et c'est le seul homme appelé selon le cœur. Amen. Alors qu'il a fait des péchés que toi tu n'as pas encore fait. David a tué. Entre vous là, il y a plusieurs d'entre vous, vous n'avez jamais commis un meurtre. Amen. Mais pourquoi Dieu ne t'appelle pas l'homme selon mon cœur? Il appelle David qui a tué l'homme selon son cœur. Tu dois comprendre que David avait une relation avec Dieu. David avait une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Dieu m'a dit, mon fils, la délivrance, c'est la relation avec Dieu. Oui, c'est pour ça que pendant que tu es avec Dieu, tout peut aller bien. Lorsque ta relation avec Dieu commence à se délabrer, les choses commencent à se délabrer encore dans ta vie, tu te retrouves encore dans des captivités.
Je t'ai guéri. Ta relation avec Dieu commence à s'être délabrée. Tu te retrouves encore dans la maladie. Le problème, c'était quoi? Ce n'est pas le péché, mais ta relation avec Dieu s'est délabrée. Parce que c'est ce qu'on n'enseigne pas. Et on voit la manifestation de Dieu pendant quelques temps dans nos vies. Et après un moment, on se retrouve au point de départ. On se retrouve dans la même boue. On se retrouve dans la même saleté. C'est bien de prêcher sur le péché. C'est bien de faire comprendre aux gens qui doivent être conscients du péché. Mais souvenez-vous ce que Dieu a dit dans Ésaïe 59. Dieu a dit dans Ésaïe 59, ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mes oreilles ne sont pas dures pour écouter vos prières. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui font quoi? Qui mettent une séparation entre moi. Donc, on devient l'esclave de Satan lorsqu'on est séparé de Dieu. On va en enfer lorsqu'on est séparé de Dieu. Et on est séparé de Dieu lorsque on n'a pas de relation avec Dieu. Et beaucoup de personnes prient Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, Dieu ne peut pas les sauver. Dieu ne peut pas les écouter. Dieu ne peut pas les bénir. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu, le jour du jugement, beaucoup de personnes viendront dire, en ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons guéri les malades. J'étais un pasteur de la délivrance. Tous les gens qui sont passés devant moi, je les ai tous délivrés. Jésus dit que je dirai à ces personnes, arrière de moi, je ne vous connais pas. Il a dit, je ne vous connais pas. Il a dit, je ne vous connais pas. C'est bizarre. Ça veut dire que je peux chasser un démon au nom de Jésus, alors que Jésus ne me connaît pas. Et la raison pour laquelle Jésus ne me connaît pas, c'est pourquoi? Parce que je n'ai pas de relation. Ça veut dire que le jour du jugement, Jésus va chasser les gens. Jésus dira aux gens, je ne te connais pas. Je n'ai pas de relation avec toi. C'est à cause de ça que les gens ne seront pas sauvés. Alléluia. La délivrance, c'est ma relation avec Jésus, avec Dieu. Ma guérison, c'est ma relation avec Dieu. Ma vie, c'est ma relation avec Dieu. Ma carrière, c'est ma relation avec Dieu. Ça veut dire que quoi? Tout ce que j'ai dans ma vie ne sera que maintenu par la relation que j'ai avec Dieu. Tout ce que je vais recevoir dans ma vie ne dépendra que de la relation que j'ai avec Dieu. Tout ce que je vais expérimenter dans ma vie dépendra de la relation que j'ai avec Dieu. Je peux connaître Abraham, mais si je ne connais pas le Dieu d'Abraham, je vais souffrir. Je peux connaître le pasteur Bruno, mais si je ne connais pas le Dieu du pasteur Bruno, je vais souffrir. Je peux avoir une relation avec l'apôtre Paul, mais si je n'ai pas une relation avec le Dieu de Paul, je vais souffrir. Amen. Le pasteur Bruno peut me délivrer, mais si je n'ai pas une relation avec le Dieu qui lui a donné la capacité de me délivrer, un jour, je retomberai encore dans ma captivité. Alléluia. Amen. Amen.
Dieu ne veut pas que ce qui est arrivé aux pharisiens, aux sadduciens, aux religieux, vous arrive aussi. Ils avaient la loi de Moïse dans leurs mains. Ils se hâtaient à respecter cette loi de Moïse. Mais parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre Dieu. Jésus vient guérir un malade le jour du sabbat. Il vient dire à Jésus que tu as péché. Tu as péché de venir, tu as péché en ouvrant les yeux d'un aveugle le jour du sabbat. Tu as péché en guérissant un malade le jour du sabbat. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils avaient une relation avec la loi de Moïse. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut fermer ta Bible et parler à ton Dieu. Alléluia. Oh, c'est bon. Oh, Jésus. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour fermer la Bible et parler à son Dieu. Il y a un temps pour fermer la Bible et parler à ton Créateur. Apprendre à le connaître. Parce que je ne pense pas que les pharisiens, les sadduciens, les religieux, ils avaient toute la loi de Moïse. Mais avec tout cela, ils n'ont pas pu connaître Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Dieu ne doit pas seulement te parler au travers de la Bible. Dieu doit aussi te parler. Il doit aussi te parler. Souvent avec la Bible fermée, il doit aussi te parler. Il doit parler à ton cœur, parler à tes pensées. Amen. Même te parler d'une manière audible. Il doit te parler. Tu dois avoir une relation avec lui. Il ne faut pas que lorsque Dieu vient te parler, c'est quelqu'un seulement te réprimander que tu as péché. Tu as fait ceci. Non. Ça, tu es encore un bébé spirituel. Et ta relation est encore basée sur la crainte et non sur l'amour parfait. Merci Dieu. Je t'aime, fais tellement riche, Saint-Dieu. Tu dois entrer dans une autre dimension. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on traitait Jésus de fou. On traitait les disciples des personnes qui ont la cervelle lavée, le cerveau vide. Parce que quand tu arrives à cette dimension, les hommes ne peuvent plus te comprendre. Parce que la Bible dit sauf les choses spirituelles ne peuvent être comprises que par des personnes spirituelles. Amen. C'est ce que Corinthiens dit. Corinthiens dit, les choses spirituelles ne peuvent qu'être comprises par les personnes spirituelles. Amen. Ton entourage te comprend beaucoup parce que tu es encore comme eux. Tu es encore comme eux spirituellement. C'est pour ça qu'ils te comprennent encore. C'est pour ça qu'ils ne te posent pas trop de questions. Sur ce qu'on ne t'appelle pas fou, il ne t'appelle pas folle, parce qu'ils te comprennent encore, ils te comprennent encore. Ils te comprennent encore. À un moment donné, ils ont dit que Jésus chassait les démons par Belzébuth. Parce qu'à un moment donné, ils ne comprenaient plus sa dimension avec le Père. Il faut que tu arrives à cette dimension où les personnes naturelles vont commencer à t'appeler sorcier ou sorcier. Parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. Ils ne comprennent pas la manière que tu vis. Ils ne comprennent pas ce que tu es fait au travers de tes mains. Ils ne comprennent pas ce que tu as appelé de ton sorcier. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Parce que Jésus a dit, s'ils ont fait cela au maître, combien de fois plus fortes raisons au serviteur.
Jésus a dit, s'il m'ont persécuté, combien de fois plus forte raison-vous? Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que ta vie t'a fait que je ne fais pas? Qu'est-ce que ta vie t'a fait que je ne fais pas? Parce que le même Dieu a dit à David que tes mains sont sales. Je veux parce que tu me construis le temple. C'est ton fils qui va construire le temple. Comment le même Dieu qui a dit à David que tes mains sont sales, tes mains ont le sang. Alors que David s'est repenti. Et le même Dieu dit à David, tes mains sont sales. Il y a le sang sur tes mains. Et le même Dieu a fait David l'homme selon mon cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que David faisait que je ne fais pas ou que je ne sais pas encore. Il avait une relation avec son Dieu. Amen. Il n'avait pas seulement une relation avec le prophète Samuel ou le prophète Nathan. Non, il avait aussi une relation avec le Dieu du prophète Samuel et le Dieu du prophète Nathan. Amen. Samuel et Nathan, c'était ses pasteurs. Mais il n'était pas limité à la relation avec eux. Il a cherché le Dieu. Amen. Le salut, c'est une relation avec ton Dieu. La guérison que tu as besoin, c'est une relation avec ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu as besoin dans ta vie. C'est la prospérité, c'est un emploi, c'est le mariage. Quel que soit ton besoin, c'est dans ta relation avec Dieu que tu vas trouver ça. Amen. 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 C'est dans ta relation. C'est dans ta relation. Dieu a dit à Salomon, si je n'avais pas promis à ton père que je devais garder son fils sur le trône, tu serais déjà dans une tombe. Vous voyez, un homme a une relation avec Dieu, au point où, même lorsqu'il est mort, les promesses que Dieu a faites à cet homme, Dieu continue à respecter ça. Non. Après le règne de Salomon, celui qui a succédé Salomon, le royaume a été divisé. Et le royaume a été divisé et Dieu a dit, je vais laisser une seule tribu. La tribu de Juda. À cause de David, je vais laisser cette tribu. Et Dieu a maintenu le royaume de Juda jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Juste à cause de la promesse qu'il avait faite à David. David, un homme qui avait le sang dans les mains. Comment un homme qui avait le sang dans les mains a pu toucher le cœur de Dieu? Moi qui n'ai pas le sang dans les mains, je n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu. David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Car la Bible dit, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était avec les enfants de Dieu et non dans les enfants de Dieu. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons Jésus en nous. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire au-delà de ce que David a fait? Alors que David a fait au-delà, a fait ce qu'il a pu faire sans avoir ce que nous on a aujourd'hui. Oh yes. Seigneur, tu sais réfléchir, mais quand tes parents sont là, tu ne réfléchis pas ou tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que Jésus a dit, si Sodome et Gomorrhe m'avaient vu et m'avaient écouté, ils se seront repentis. Et il a dit, la génération d'aujourd'hui, votre jugement sera plus pire que celui de Sodome et Gomorrhe. Parce que si Sodome et Gomorrhe avaient attendu l'évangile, s'ils avaient vu Jésus, ils se seront repentis. Mais vous m'avez entendu, vous avez vu Jésus, vous avez reçu l'évangile.
Mais vous ne changez pas. Attention, votre jugement sera plus sévère. Ah oui. Dieu nous demandera plus parce que nous avons plus reçu. Notre génération a reçu plus que toute autre génération. Aujourd'hui, je me trouve en Amérique. Certains d'entre vous, vous êtes partout dans les autres pays du monde. Nous sommes en train de communiquer instantanément. Instantanément, nous sommes en train de communiquer. L'apôtre Paul n'avait pas ça. L'apôtre Pierre n'avait pas ça. Mais en trois ans, deux disciples ont évangélisé toute l'Asie. Alléluia. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de vélo. En marche à pied, ils ont évangélisé toute l'Asie en deux ans. Ils n'avaient pas de téléphone portable. C'est pour ça que Dieu dit, la génération d'aujourd'hui est la plus paresseuse, la plus désobéissante et la plus rebelle. Parce que le plus je leur donne la facilité de faire certaines choses, le plus ils sombrent dans la paresse, dans le sommeil, dans la fatigue. Bien aimé, aujourd'hui, tu as seulement pris ton téléphone. Tu as composé le numéro et tu t'es connecté à la ligne de prière. Mais la Bible dit au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste habitait dans le désert, dans la brousse. Et les gens quittaient la ville. Ils marchaient des kilomètres pour aller dans la brousse pour écouter Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, tu es dans ta chambre. Tu appuies seulement ton téléphone et tu te connectes, tu écoutes. Les autres devaient travailler. La Bible parlait de l'unique Éthiopien. Chaque année, il quittait l'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem. Pour fêter la célébration de Dieu qu'il ne comprenait même pas. Et un jour, en rentrant sur le chemin de retour, Dieu envoie l'évangéliste pour lui donner la révélation. Chaque année, l'unique Éthiopien voyageait des milliers de kilomètres pour venir servir un Dieu qu'il ne connaissait même pas, qu'il ne comprenait même pas. Quelle foi. Mais regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous aujourd'hui. Toute la facilité qu'on a, toute la grâce qu'on a, le Saint-Esprit qui est en nous, que les autres n'avaient pas. Amen. C'est pour ça que si nous ne dépassons, si un enfant qui est né de nouveau dans la nouvelle alliance ne dépasse pas une personne qui a vécu dans l'Ancien Testament, c'est que la personne n'a pas encore commencé le christianisme. C'est que la personne n'a pas encore de relation avec Dieu. Vous allez me dire que pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, de toute personne qui est sortie du ventre d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Dieu vous enseigne profondément. Laissez-moi aller pas à pas pour vous détailler ça. Amen. Jésus-Christ dit, de toute personne qui est née du ventre d'une femme, nul n'a été plus grand que Jean-Baptiste. Et après il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Il a annoncé la nouvelle naissance, mais Jean-Baptiste n'est pas né de nouveau. Alléluia. Jean-Baptiste a baptisé les gens, mais personne n'a baptisé Jean-Baptiste.
C'est pour ça que toute personne qui est née de nouveau dépasse toute personne qui est née dans l'ancienne alliance. Amen. Donc spirituellement, si je suis plus grand que Jean-Baptiste, ça veut dire que je dois faire plus que toute personne qui n'était pas née de nouveau. Tu ne sais pas que si tu as une relation avec Dieu, tu vas faire plus que ce que Abraham a fait. Tu vas faire plus que ce que Moïse a fait. Tu vas faire plus que ce que David a fait. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste a dit, préparez-vous car le royaume des cieux s'approche. Et Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux est là. Nous sommes la génération du royaume des cieux. Mais on est toujours là pour s'inspirer des gens de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils ont fait de plus grandes choses que nous. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que ce soir, nous allons prier. Que Dieu nous donne la grâce de le connaître réellement et d'avoir une relation. C'est vrai, on s'est baptisé parce qu'on a dit il faut se baptiser pour donner sa vie à Christ. C'est vrai, on ne vit pas dans le péché parce qu'on sait que Dieu a dit qu'on ne vit pas dans le péché. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il faut plus que ça. Amen. Il faut plus que ça. Amen. C'est pour ça que la relation avec Jésus. Amen. Les standards de Dieu, on les découvre tous les jours. Et chaque jour, quand tu les découvres, tu te rends compte que je n'ai pas encore commencé. Tous les jours, tu te rends compte que je n'ai pas encore commencé. Seigneur, quand est-ce que je vais vraiment commencer? Alléluia. Amen. C'est ça que nous allons élever nos voix. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Pour toutes les fois que nous nous sommes plaints, nous nous sommes plaints en disant que Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Je ne vis plus dans le péché, pourquoi ma vie ne change pas? Alors que Dieu était là, il disait, mon fils, ma fille, tu n'as pas de relation avec moi, comment est-ce que je vais t'aider? En tout cas, même dans la vie réelle même. Tu n'as pas de relation avec moi, comment est-ce que je vais t'aider? Quand moi je te vois, c'est de la même manière que je te vois, c'est de la même manière que toi tu vois le serpent. Quand toi tu vois le serpent, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, Seigneur, dès que je vois le serpent, je veux prendre la matière et découper. Il dit, moi aussi quand je te vois, c'est la même chose que je vais faire. Parce qu'on n'a pas de relation. Ah oui, c'est ça, bien-aimé. La Bible dit que dans le livre de Psaumes, que Dieu est en colère à chaque instant. À chaque instant, Dieu est en colère à cause de la manière dont nous consultons. À chaque instant, la Bible dit qu'à chaque instant, Dieu est en colère. À chaque instant, chaque seconde, Dieu est en colère à cause de la manière dont nous nous comportons. De la même manière que lorsque tu vois le serpent, ça s'énerve. C'est aussi comme ça quand il est fâché. Tu as déjà vu quelqu'un nourrir le serpent? Le démon qui l'a nourri. Le sorcier peut nourrir le serpent parce qu'il travaille avec le serpent. Il a une relation. Oui, c'est la sorcière. Mais toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est normal. Il te dit que, oh, j'aime bien, viens, je te présente mon camarade, le serpent. Voilà. Il prend le serpent, il mange. Amen. Oui, Dieu n'arrive pas à donner à manger à certains d'entre vous parce que lorsqu'il te regarde, c'est la tête du serpent qu'il voit et dit, ah, ça va me mordre. Il n'y a pas de relation. Si tu changes ta relation avec Dieu, ta vie va changer. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu as une nouvelle relation avec Dieu si ta relation avec le péché n'a pas changé.
Ça, tu ne peux pas dire que tu as une relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu a changé si ta relation avec le péché n'a pas changé. Le problème n'est pas le péché. Le problème est quelle est la relation que j'entretiens. Quelle est la relation? Et la vie que nous menons ici sur terre, c'est basé sur les relations. Quelle est ta relation avec ton docteur qui te soigne? Quelle est la relation avec ton patron au travail? Quelle est la relation avec celui qui t'entraîne? Quelle est la relation avec celui qui garde tes enfants? Quelle est la relation avec tes enfants? Quelle est la relation avec ton mari ou ta femme? Tout ce qu'on a dans cette terre dépend de la relation qu'on entretient avec la chose. Même ceux qui ont des véhicules, quelle est ta relation avec ton véhicule? Si tu entretiens bien ton véhicule, tu as une bonne relation avec ton véhicule, vous allez passer beaucoup d'années ensemble. Mais si tu as une mauvaise relation avec ton véhicule, ça va même t'énerver, tu vas aller vendre ça, acheter un autre. Oui, pourquoi? Parce que tu dis le véhicule là, ça m'énerve, tu vas vendre, tu achètes une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bonne relation avec ce véhicule. C'est la même chose. La vie est une succession de relations. La vie que nous menons est une succession de relations. Donc, élève ta voix, demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu t'es plaint, qu'il n'a pas exaucé ta prière. Parce qu'il n'a pas exaucé ta prière parce que la relation que tu avais avec lui ne lui permettait pas de le faire. Élève ta voix, commence à te répondre. Prions. Seigneur, nous venons nous repentir devant ta face. Nous venons te demander pardon. Merci parce que tu nous as fait comprendre que nous n'avions pas de relation avec toi. Nous avons une relation avec tes commandements, mais nous n'avions pas de relation avec toi. Nous avons une relation qui était basée sur la crainte, mais notre relation avec toi n'était pas basée sur l'amour parfait. Te demandons pardon, Seigneur, du fond du cœur. Accorde-nous la miséricorde. Accorde-nous la miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Bien-aimé. Maintenant. Voici les prières où on doit le plus prier. Alléluia. Amen. Voici les prières où on doit le plus prier. Tu vas demander à Dieu. La grâce de Dieu est très importante pour vous. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Même si tu es un chrétien super, sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. La grâce de Dieu est une puissance qui nous donne la capacité de devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Ça nous donne la capacité d'éviter ce que Dieu veut qu'on évite. Ça nous donne la capacité de faire ce que Dieu nous a appelé à faire, d'accomplir ce que Dieu nous a appelé d'accomplir. Et Dieu t'a dit ce soir que tu dois avoir une relation avec lui. Amen.
C'est pour ça que tu vas prier que Dieu te donne la grâce d'établir une relation réelle, véritable et éternelle avec Dieu. Amen. Et une relation, tu vas préciser, parce qu'il y a différents types de relations. Tu m'as dit que ça ne soit pas une relation qui est basée sur la crainte. Parce que tu ne veux plus être un bébé spirituel. Que ça doit être une relation qui est basée sur l'amour parfait. Amen. Que je sois en train de vivre comme Dieu veut. Pas parce que j'ai peur du châtiment de Dieu. Pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Parce que la Bible dit, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il a vu beaucoup de gens courir. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à reconnaître la colère de Dieu à venir? Ne vous précipitez pas à venir donner vos vies. Ne vous précipitez pas à venir vous baptiser. Parce que vous avez peur du jugement. Parce que vous avez peur du châtiment. Parce que vous avez peur de l'enfer. Non. Ayez une relation avec Dieu. Parce que si je me baptise, si je donne ma vie à Dieu, et je n'ai pas de relation avec Dieu, je ne serai pas sauvé. Je ne serai pas délivré. Je ne serai pas guéri. Je ne serai pas béni. Donc élève ta voix. Prie comme le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Mais demande à Dieu de te donner la grâce d'établir une relation véritable avec lui. Qui est basé sur l'amour parfait. Élève ta voix. Crie de tout ton cœur, bien-aimé. Crie de tout ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parce que je n'ai pas été juste son père éternel, parce que je suis venu vers Je vais te faire un peu de temps.
Donne-moi la grâce de te connaître. Accepte-moi, Père.
L'alliance fidèle, Père éternel. Je vais Je vais te faire ta grâce. Renouvelle en mon âme ta grande. Renouvelle en moi ta présence, Seigneur. Je veux connaître mon Dieu, comment il est.
comment il va dans la vie, comment mon Dieu est, ce qu'il n'aime pas, papa, ce qu'il aime, je ne sais pas ce que je veux, c'est que je passe, je crois que c'est donc, moi ta grâce, ta grâce, Père éternel, prenez-moi ton âme, prenez-moi ton âme, ta grâce, Continue à parler à Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit ce soir. Amen. Parce que c'est ça qui va déterminer le restant de ta vie. Amen. 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 Demande-lui la grâce pour cette relation. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Elle est disponible. Tu dois demander cette grâce et tu vas voir cette grâce agir dans ton vie. Et tu dois avoir la volonté d'avoir une relation avec Dieu. La volonté d'avoir une relation avec lui. De la même manière que tu as une relation avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants, tu dois avoir la volonté d'avoir une relation avec lui. Tu dois avoir cette volonté. Tu dois avoir cette volonté. Parce que un enfant ne va toujours pas vers son père pour demander, non, souvent il part pour demander à papa, qu'est-ce que tu veux, je t'apporte à manger, je te donne de l'eau à boire. Amen. Un parent ne va toujours pas vers son enfant pour demander, souvent il va seulement pour demander à son enfant, est-ce que tu vas bien, tu as bien dormi, tu te portes bien. C'est ça, avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, comment tu vas? Comment tu vas, Seigneur? Comment tu vas? Comment tu vas? C'est pas seulement demander. Comment tu vas? Même si tu ne suis pas de réponse, le plus tu vas demander, tu vas commencer à suivre Dieu, commencer à te répondre. Amen. Amen. Parce qu'il te répond, mais tu n'as pas encore peut-être la capacité d'écouter. Parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu existes, cette capacité va se développer. Amen. Amen. Quand tu as une relation avec Dieu, le pasteur ne peut pas te dire ok. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu connais Dieu, le pasteur ne peut pas te dire ok. Le pasteur ne peut pas te dérouter. Aucun prophète n'a pu dérouter David parce qu'il connaissait Dieu. Amen. Aucun prophète n'a pu dérouter. L'apôtre Paul, parce qu'il connaissait Dieu, la Bible dit, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul est arrivé dans une famille où il y avait beaucoup de prophétesses et de prophètes. Et un prophète a pris la ceinture de l'apôtre Paul, il a attaché ses mains, il a prophétisé. Celui à qui appartient cette ceinture, on va attacher ses mains comme ça et on va le livrer à la mort. L'apôtre Paul a dit oui, c'est vrai. C'est une vraie prophétie. Et Dieu m'a parlé aussi de ça. Mais le même Dieu m'a dit que je dois toujours aller à Rome. Toujours. Et tu ne connais pas Dieu. Même un frère en Christ peut te dérouter.
Si tu n'as pas une relation avec Dieu, même une sœur en Christ peut te dérouter. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, même ta Bible peut te dérouter. Je dis, si tu n'as pas de relation avec Dieu, ta Bible peut te dérouter. Beaucoup de gens ont fait des erreurs parce qu'ils ont appliqué ce qui était dans la Bible. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont appliqué la lettre au lieu d'appliquer la révélation derrière les Écritures qui sont dans la Bible. Paul a dit, la lettre tue. La lettre, c'est ce que tu vois écrit avec les yeux. Paul a dit ça. Vos parents même disent ça. Le réma, la révélation de Dieu, c'est ça qui donne la vie. Amen. Ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu n'auront que la lettre, les commandements. Mais ceux qui ont une relation avec Dieu auront la révélation, le réma. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ prêchait à la foule en parabole. Mais lorsqu'il était avec les disciples qui avaient une relation avec les disciples, il les expliquait ce qu'il avait prêché en parabole. La foule n'avait pas de relation avec Jésus. Seuls les disciples avaient une relation avec Jésus. Amen. Tu dois te poser la question, est-ce que je suis la foule ou est-ce que je suis le disciple? Je suis le disciple, je vais être là, une disciple de Dieu. Amen. Parce que la foule n'aura que le poisson et le pain. Le poisson et le pain pour l'estomac. Mais les disciples auront l'explication. Oui. Les disciples ont l'explication de la parabole. Les disciples ont la révélation. La révélation. Mais la foule a la lettre, le verset biblique, le zéro révélation. La foule a le commandement qui ne mène qu'à la mort. C'est pour ça que Paul a dit dans Romains chapitre 7, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, amen. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Amen, la grâce. La grâce. Reprends la grâce de dominer sur le péché. Amen, 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 amen. La grâce de vaincre le péché. La grâce de sortir dans l'esclavage de la religion, des fausses croyances. Jusqu'à la mer. La grâce de sortir dans la captivité de Satan. Sors par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Sors par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ce soir. Car chacun d'entre nous est rempli de la puissance de ta grâce. Amen. Merci parce que cette puissance de ta grâce va nous donner la capacité d'établir une relation avec toi. Amen. Une relation véritable. Une relation durable. Une relation éternelle. Oh, Rima Soka Sotalias Kanteria Braskotosia.
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir béni ton peuple ce soir. Merci d'avoir béni ton peuple ce soir. Je prie que ce qu'ils ont reçu de Satan n'est pas à cela. Au nom de Jésus, je couvre avec le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit tout ce qu'ils ont reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'ils ont reçu, que le sang de Jésus-Christ sécurise cela, que le sang de Jésus garde cela, que le sang de Jésus protège cela, afin que cela demeure, afin que cela demeure, afin que cela demeure. Au nom de Jésus. Moussa. Rabraché Kéré Moussa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire.